Ce truc te fait quelque chose? C'est censé me donner un coup de fouet. Mais je sens pas la différence. Tu sais, entre nous, on aurait dû demander plus d'argent. Beaucoup plus. Je suis sûr que ça faisait pas partie du contrat. Je suis prêt à le renégocier. T'as pris ta dose? Ouais. Si t'en veux aussi, faut voir avec la dame à l'étage du dessous. Je te le déconseille. Aucun doute. T'as les anticorps. Merci beaucoup. Attends quoi? Tu es la clé pour sauver le monde, Jack Müller. Je vais d'abord me sauver moi. C'est pas le moment. Tu viens? Après toi. Ces choses étaient des Javo. Ce sont eux les armes biologiques des insurgés. Voilà qui explique la présence des troupes du BSA. On doit quitter le pays sans attirer l'attention de l'une ou l'autre des parties. Chacun des hommes de ta section sont des Javo maintenant. Et tu es habillé comme eux. Viens, on doit sortir d'ici. Plaisante pas, on n'a pas le temps. Très bien, voilà mes conditions. Je veux toucher 200 000 d'avance, et 200 quand ce sera fini. Pour les armes biologiques, il y a un supplément. Ce sera 1 000 de plus. Par tête. Je suis pas venu pour t'engager. Hein ?
T'es là pour quoi, là? Pour ton sang. Tu bosses pour la Croix-Rouge? Non, écoute. Ces choses qui nous ont attaquées, elles ont été exposées à un virus. Le virus C. Ouais. C'est justement la souche que tu viens de t'injecter. S'il ne t'a pas affecté, c'est parce que tu possèdes les anticorps. Nous sommes confrontés à une attaque bioterroriste mondiale et il nous faut trouver un vaccin au plus vite. S'il te plaît, aide-nous, Jake. Il nous faut ton sang. $50 millions. Quoi ? En cash. Non négociable. En échange, un demi-litre. On dirait qu'ils nous attendent. On va devoir leur tirer dessus. Je suis d'accord. On n'a plus le choix maintenant. Bon sang. Cet endroit est bourré de pièges. Je dois faire attention. Jake. On dirait que ça va pas être facile pour le BSAA. C'est pas tout. Aux dernières nouvelles, mes employeurs allaient attendre de l'autre côté de la rivière. Le BSAA ne pourra sûrement pas quitter ce plan Marcellus. Non, tu te trompes. Ils sont plus résistants que tu crois. L'un de ces dégénérés, bande d'imbéciles. Не выйдет, не будешь, понял?
T'en penses quoi? On se bat ou on fuit? Ah! Ils sont trop nombreux! On va devoir fuir! Merde, il est fort! Faut y aller! Jake! Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il nous poursuit! Enfin... Il te suit, toi! Jake! Yeah.
Regarde, on peut sortir par là. Je dirais que ce bâtiment va s'effondrer aussi. Quelqu'un devra appeler un architecte. Oui. Oh, il fait encore plus froid ici que dehors. Jake! Bon sang! Ils sont ici! Oh, ces enfoirés n'ont vraiment rien de mieux à faire! J'ai l'impression qu'il veut nous laisser partir. Il va bien falloir qu'il l'accepte. Tu ne prendras pas Jake! J'espère que t'as pas oublié mes 50 millions de dollars! J'en parlerai à mon chef, si on s'en tire vivant. Qu'est-ce que t'as, enfoiré ? Tu t'énerves ? Yeah.
Dites-le. C'est pas vrai, ça commence à virer au cauchemar. Mais au moins tu es vivant. Beaucoup de choses dépendent de nous. Il y a 3 ans, j'ai cru mourir dans la jungle en Amérique du Sud. L'ennemi nous avait encerclés. On a envoyé toute mon équipe à Perry. Et j'avais perdu mon arme. Et ce connard est venu avec un couteau. Il pensait pas que je méritais une balle. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Il n'y a rien de pire que d'être tué à l'arme blanche. C'est terrible. Les mercenaires choisissent pas comment ils vont mourir. C'est comme ça. C'est un peu le principe de ton boulot, non? C'est une chose de mourir pour l'argent, c'est mon choix. Mais mourir sans vraie raison, c'est hors de question. Bon, est-ce que tu vas me dire ce que c'est que cette grosse terreur et pourquoi elle essayait de me tuer? Cette chose est identique au Javo. C'est une arme biologique créée avec le virus C. Elle est utilisée par une organisation terroriste, Neo Umbrella. Ça me dit rien. Ils veulent étudier les anticorps de ton sang. Et ils se fichent que tu sois mort ou vivant. La vie de mercenaire était meilleure. Je ne laisserai personne te faire du mal. Le monde a besoin de toi. Non. Pas de moi. Mon sang. Eh ben, le monde l'aura. Quand quelqu'un aura craché la vie. Sherry Birkin, Sécurité Nationale. Sherry Birkin, vous étiez à Raccoon City? Comment vous savez ça? Claire. Quoi? Vous êtes Chris? Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Chris, c'est un insurgé recherché. Oui, c'est un mercenaire, mais il est sous la protection du gouvernement américain. Il ne menace pas le BSAA. Sauf si on paye pour le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Oubliez. QG à équipe Alpha. Les renforts sont dans l'impossibilité d'atterrir à cause de la DCA. Abattez-la! Reçu 5 sur 5. Bon sang! Le radar détecte un énorme signal! Il se dirige vers vous! Trois canons anti-aériens nous empêchent d'approcher. Bien sûr, Echo. On s'en occupe pour vous. La première cible est là-bas! Chris! On va vous aider! Hors de question! Allez vous abriter! Vous en faites pas pour moi! Je peux me débrouiller et vous avez besoin d'aide! Je crois que mes chances de survie sont plus élevées que les mercenaires. Je pose des explosifs sur les canons anti-aériens. Essayez de me couvrir! Il faut détourner l'attention de cette arme biologique géante! Je peux pas travailler si elle est dans les parages! Chris! On va s'occuper de l'un de ces monstres! Merci de m'avoir fait du boulot, chérie. Ah.
Tout le monde recule! Plus que deux canons! Ok! Vers la prochaine cible! Des explosifs sur les canons anti-aériens. Ça risque d'être long. Essayez de me couvrir. Encore quelques minutes. Perdu aux deux de cœur. Alpha, préparez-vous à tirer. Allez, plus qu'une. Tout le monde dans ce passage souterrain. Viens te battre la grande histoire!
recule! Tous les canons anti-aériens ont été détruits. Bon travail, Alpha. Mais ce n'est pas fini. L'équipe Echo ne peut pas atterrir tant que je n'aurais pas éliminé l'autre arme biologique. Essayons de toucher depuis les airs. On verra si elle a des points faibles. Visez les organes explosés! Feu à volonté! Excellent travail, Alpha. L'équipe Echo va bientôt atterrir. J'ai donné les coordonnées au pilote. Merci beaucoup pour votre aide. Hey! Hey! On se connaît? Je sais pas, vous avez tous la même gueule pour moi, désolé. Pour qui il se prend? Pas me tromper! Je vous souhaite bonne chance. D'une chose. Monsieur Müller demande une compensation pour sa coopération. 50 millions de dollars. Oui. D'accord, je comprends. Je vais lui dire. Alors, marché conclu. C'est bon. Marché conclu. C'était facile. Ouais, au fait. Ce type avec qui t'avais l'air tout émoustillé. Tu parles de Chris? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a? C'était quoi? Et c'est pas fini. Jamais. On doit l'abattre, sinon il va nous écraser. Payer 50 millions, on va bosser un peu. Cette chose en a après vous deux, hein? Désolé, je voulais pas vous mettre en danger. C'est pour cette raison qu'on paye autant. Tiens bon!
frapper sur notre hélico! Allez, vite! Qu'est-ce que vous attendez? Hey! Ça devient tendu, même pour moi. Tire sur les arbres!